Même moi, je veux marquer, ça c'est clair. Ce n'est pas que je ne veux pas marquer. Après, j'apprécie beaucoup toujours les supporters et tous les gens qui m'encouragent. Et qu'est-ce que je peux faire? Je donne toujours tout sur le terrain, je vais essayer. Je crois le moment, un jour, ça va arriver. Normal chez Choupo-Moting, hein. Proche des gens, proche des supporters, proche de ses coéquipiers qui dénotent un peu avec le footballeur moderne qui est une méga star, qui est adulé, qui peut prendre les gens un peu de haut. Lui, en dépit de sa grande taille, prend personne de haut et est très, très ouvert aux autres. Donc forcément, il a un rapport aux autres qui est différent humainement et qui fait que les gens l'apprécient. Qui ne marquent pas ont rarement résisté effectivement à la colère du Parc des Princes. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que des buteurs qui ne marquaient pas étaient souvent dans un collectif parisien qui ne gagnait pas souvent à l'époque. On a l'impression que le PSG est sur son petit nuage, notamment depuis la victoire à Manchester. Et je crois que Choupo-Moting, en dépit de son inefficacité, est capable de survivre autant. Et puis il y a une forme de complicité qui s'installe avec le public. Pour le moment, le PSG n'a pas forcément besoin de Choupo-Moting pour gagner. Il a besoin de Choupo-Moting pour continuer à vivre sereinement.